Salut les copinottes. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le let's play parce que le patron, on l'a enfermé dans les toilettes, il est coincé. Du coup, on va pouvoir tous sortir et pouvoir faire l'anniversaire de Géraldine en double. C'est génial, de Géraldine. On va pouvoir faire les sadiques. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce let's play des Sims 4, travail avec la famille Müller. Oui, une petite vieille, comme ça on pourra aller dans le placard avec Géraldine. Viens Géraldine, deux Géraldine, oh c'est bon pour mon cœur, ça va y avoir des pulsations cardiaques, ben Youss, ça va chier. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Ah, il faut faire un appel, organiser un événement social, voilà. On va en profiter pendant que le taré là-bas, il est coincé dans les WC, hein, parce que le temps qu'il sorte, eh ben, on peut se laisser aller, nous. Alors, faire une fête privée, non, fête d'anniversaire, voilà, ça c'est très bien. Ensuite, Sims célébrer, le problème c'est qu'on est deux à célébrer. Ah, c'est Géraldine et Louise, d'accord, ils ont changé le prénom pour pas qu'il y ait de confusion, ok. Bon, on va faire Géraldine d'abord et on fera Louise après, on fera peut-être deux anniversaires. En plus, il y a la petite Emma aussi qui doit grandir, je crois. Ah là là, Emma, on va pouvoir se raconter des histoires plus tard. Alors, on invite Louise, Robert, allez, toute la famille, voilà, et on fait pas de traiteur. On fait pas de mixologue non plus, on peut pas mettre un traiteur dans la famille, non, ah bah tant pis alors, mixologue non plus et un artiste non plus, de toute façon on a tout ce qu'il faut à la maison. Maintenant tu me laisses reprendre les rênes s'il te plaît. Alors on doit jouer, on doit jouer, on doit jouer la résidence Müller. Oh voilà, hop là, tout le monde fait la fête, c'est parti mon kiki. Alors, objectif principal, souffler les bougies. Il nous faut un gâteau. Vas-y, fais un gâteau de ta chair, s'il te plaît, mon ami. Alors, un gâteau, un gâteau, un gâteau. On est fou, on est fou. C'est Louise qui va faire le gâteau. Elle peut pas. Enfin, si, elle doit pouvoir normalement cuisiner. Voilà. Un gâteau. On va pas faire un gâteau de cheeseburger. Hein. Ça va pas être top. Un gâteau au chocolat. Voilà. On va faire un gâteau au chocolat. Et... Non, 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 non. Ne prends pas le micro, toi. Non, non, non. Et salut, les amis. C'est moi. Je suis revenu. Je pense que vous en avez un peu marre de ce psychopathe. Donc, ils ont commencé à organiser la fête d'anniversaire. C'est très gentil de leur part. Donc, on a Louise. Ouais, j'ai entendu un peu. Louise qui prépare donc un gâteau pour l'anniversaire, tandis que Robert, je regarde les besoins vite fait, tac, ça va bien, ça va bien, ça va bien. En fait, il n'y a rien qui change aux besoins, d'accord. D'accord, bon, ça devrait le faire. On a Emma aussi à fêter son anniversaire juste après, donc on va essayer de faire au moins deux anniversaires en speed de Géraldine et de Emma. Après, Louise, on s'en fout un petit peu, hein. C'est la merde, quoi. Géraldine, t'as faim? Bah oui, mais ça, c'est pas grave. Tu vas boire un coup? Il me semble... Non, il n'y a pas de bar. Si, il y a un bar, là. Tu vas... Si, allez, hop, on va engager un mixo avant d'avoir des sous. J'aurais dû y penser. Hop, voilà. Voilà, on a le mixologue, impeccable. On va pouvoir commander une boisson. Et on va commander un tapasga. Tapasga, c'est plutôt pas mal. Sinon, j'ai complètement zappé de mettre mon chrono. Bon, il s'est écoulé 5 minutes. On va dire ça comme ça. Je sais même pas si j'ai laissé un petit temps de silence pour le générique. Au pire, je vais le mettre au tout début de la vidéo. C'est pas bien grave. Donc, il faut boire. Oh, le frigo, il est en rade. Mince. Robert, tu nous répares le frigo et de suite. Vite. On va pas appeler le service de réparation à ce temps-là. Parce qu'au pire, il y a Géraldine qui peut le réparer. Géraldine, elle est partie aux toilettes. C'est comme ça que tu prépares, que tu commandes une boisson, toi. Bah d'accord. On a les bougies impeccables. Je vais les mettre... Ah non, c'est vrai qu'on peut pas les mettre sur la table, sinon ça déconne. De toute façon, la maison, elle va changer. Hein, avec Emma qui grandit et tout ça, je vais changer plein de trucs dans la maison. Parce qu'il y a plein de trucs qui en fait, font que ça déconne. Ça ne me plaît pas trop. Je suis désolé, Audrey, ta maison est vraiment super, mais ça ne va pas le faire. Du coup, fais pipi. Allez, dépêche-toi. Robert, il répare le frigo. Nickel. Et après, Géraldine, tu me commandes une boisson.
Tu me commandes ta boisson préférée et ce sera fait. Voilà. Faut raconter des blagues, les enfants. Si vous arrêtiez de jouer aux ordinateurs, vous là, les gosses, c'est bon quoi. Toi, tu vas raconter une blague au clone de ta maman. Allez, hop, drôle. Raconter une histoire drôle et plus de choix, drôle. Raconter une blague sur les canards. Voilà, ça c'est fait. Emma, toi, tu vas pouvoir faire écouter de la musique. Il faut qu'il y en ait combien qui écoutent de la musique en même temps? 3. Donc on va commencer par Emma. Donc on va allumer. On va faire du baroque. Voilà. Écoutez. Du baroque. Géraldine, tu vas écouter du baroque. Et juste après Robert, qui a quasiment fini de réparer le frigo, il va écouter du baroque. Ça sera fait. Vous êtes nombreux, on va en profiter. Hop, un objectif. T'as toujours pas bu? Faire en sorte qu'un adulte porte un toast. Bon, moi je vais boire là et Géraldine, tu vas commander une boisson. Tu vas commander une boisson pour Louise. Ok, 3 Sims qui boivent. Mais j'en ai aucun qui boit, c'est pas bon ça. Allez les gars là, buvez un peu. commander une boisson pour personne, pour toi. Gabriel, tu vas commander ta boisson. Voilà. Et Emma, pareil, tu vas commander ta boisson. Ah bah tu peux pas. Emma, t'as pas le droit de boire. C'est ballot. Ah, boire, j'en ai un sur trois. Peut-être réussir à avoir les trois. Qui c'est qui est parti? Je sais pas où là. Côté de la musique, machiné. Bon, ça va. J'ai cru qu'il y en avait un qui était parti en haut. On va essayer de ne pas foirer la fête d'anniversaire. Je vais les inspirer. Faisant l'évocateur. Hop là. Et ensuite, faire en sorte qu'un adulte porte un toast. Est-ce que Robert, tu peux porter un toast? Révéler un secret bien enfoui. Ouais, mais t'es un senior, alors je sais pas si tu vas pouvoir le faire. Avouer sa peur des vampires, plus de choix, conversation profonde, discuter des techniques d'entraînement, demander un massage des mains, exprimer son admiration. Non, il peut pas. Il ne peut pas. Elle est où Louise? Ah, les deux Géraldines sont là. Vous êtes obligés d'être habillés pareil, franchement. Et Gabriel, il fait quoi là exactement? Il attend le clone de sa mère pour pouvoir faire quoi que ce soit. Pff, ça va être raté, ce truc. Ah, voilà. Il y a une boisson de prête, impeccable. Non, mais il faut boire, alors tu bois. Allez. Le mixologue, il est bizarre. Si je me trompe de Géraldine, ça ne va pas le faire. Ah, la galère. Faire une imitation, voilà. Et drôle, raconter une histoire drôle. Voilà. Le mixologue il est parti. On va souffler des bougies. Hein. Ajouter des bougies d'anniversaire. Mais les blagues, elles ont pas marché? Bon, boire, c'est fait, c'est déjà ça. Manger un gâteau, bon ça va le faire. Voilà, alors Géraldine, tu vas pouvoir faire un vœu. Non, d'abord, vous allez tous célébrer. Célébrer. Robert est parti se coucher, bon tant pis. Célébrer. Et célébrer. Ensuite, Géraldine, tu vas faire. Non, pas Louise, Géraldine, tu vas faire ton vœu. Tu vas souffler les bougies, voilà. Ta ta ta. Bon, personne peut célébrer. L'autre souffle ses bougies direct. J'attends que personne. Allez, Géraldine, vas-y.
Ça y est, elle est vieille maintenant, elle est comme moi, trop bien, on va bien s'entendre. Géraldine a vieilli, le vieillage au programme, ventre plissé, cheveux blancs, ça donne envie. Et longue sieste, c'est le plus passionnant de notre vie, croyez-moi. Profitez de la vie comme si la faucheuse ne vous attendait pas de pied ferme, mais on ne l'attend pas. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, Emma, ajoutez des bougies. Hop, tu souffles. T'es en train de manger en même temps, tu sais. Et Louise, est-ce que tu vieillis le même jour, toi, du coup? Non, pas du tout. Ah, oh, trop bien! Du coup, en fait, j'ai une Géraldine qui. Nouvelle génération, quoi. Hop! Emma a vieilli, l'adolescence au programme, premiers émois, jogging qui sentent la transpiration. En même temps, j'ai jamais vu un jogging qui sentait la fleur de printemps, mais bon. Révolution hormonale. Ça, c'était pas obligé de le préciser. Ça commence maintenant. Ok. Alors, Emma, je lui mets quoi comme trait? Du coup, je vais lui mettre un trait. Je vais l'aspirer à l'amour. C'est trop mignon. Romantique en série, non, moi je veux. Ah, si, si. Non, en fait, non, non, je veux une romantique en série. Ça va être une dragueuse de première. Elle a le trait geek. Et je vais lui choisir un autre trait. Je vais lui donner un trait. Froide, romantique. Pitre sur d'elle. Je vais lui donner le trait. Pitre ou peut-être non, immature, machine à danser, folle, délicate, gourmande, soignée, matérialiste ou encore bienveillante, jalouse. Il paraît qu'avec les jalouses, c'est hyper dur, mais bon, comme les romantiques en série, je vais pas trop la mettre jalouse, parce que, bah voilà. Méchante, non, membre d'un groupe de potes initié, extraverti, extraverti, tiens, allez hop. Oh là 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 là! Ah, oh bah, c'est que ça te change, hein. Je trouvais que Gabi, il avait un air de Géraldine, mais je crois qu'on a touché le fond. Bon, du coup, le gâteau. Prendre un morceau. Quand même. Toi aussi, tu vas prendre un morceau de ton gâteau, Géraldine. T'es vieille, mais. Voilà. Gabriel, pareil, tu vas prendre un morceau de gâteau. Puis Robert, tu dors. Pendant que tout le monde fête l'anniversaire, Robert se repose silencieusement. Il profite de sa retraite paisible. Après, on va relooker Emma quand même, parce qu'elle a des tenues bizarres, je trouve. Bah, elle a mangé, elle? Non. Non, elle a pas mangé. Elle est partie dormir dans le jacuzzi. Non, mais ça va pas du tout, là. Vous commencez pas comme ça, hein. Je suis pas d'accord, moi. Ils font les clowns. Ils ne veulent pas. Du coup. Ah, bah si, c'est là. Placé dans le monde, nettoyé. Non, mais. Voilà. Gâté. Ah! C'est ballot! Prendre une portion. Hey, tu vas m'en prendre une autre, hein. Il est quand même pas déjà gâté le gâteau. Bah non, il reste 18 heures avant la péremption. Fête d'anniversaire terminée, médaille de bronze gagnée. Bon, c'est déjà ça. On fera mieux la prochaine fois. Faudrait qu'il n'y ait pas trop d'anniversaires en même temps. Puis que je fasse pas le con au début de la fête, surtout. Voilà, alors. Tu veux vraiment pas manger ton gâteau? Ah si, ça y est, tu l'as mangé. Bon, ouais, va dormir. Mais attends, je te mets. Hop, on passe en mode achat vite fait, construction, tout le tralilala. Du coup, tout ça, juste. Tac, 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 tac. Les nounours, les machins, on n'en a plus besoin. Le mal à jouer, on n'en a plus besoin. La petite voiture, on n'en a plus besoin. La déco, je la laisse en enfantine pour l'instant. Hein. Je prends juste. Je fais juste des sous. Je prends un bon lit, un bon lit, un bon lit, bien relax. Ouais, non. Je vais directement aller dans les objets. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Surface confort. Bah, je suis directement dans les lits. C'est très bien. Alors, énergie 8, soulagement du stress. Oh, c'est nickel ça. J'ai pas encore pris avec le kit vintage en fait. Hop là. Un bon lit bien sympathique. Tac. Tu vas réclamer ton lit.
Voilà. Et tu vas dormir de suite. Gabi, 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 tu t'es en urgence, pipi room. Oui, alors attends. Pareil, là, je retourne dans le mode achat. Faire des petites rénovations. Je suis désolé, j'aime bien faire les rénovations. Alors, la plomberie, on va prendre un lavabo de toilette. C'est des toilettes de spa, ça. Donc, hop, le lavabo du spa. Voilà, ça fait un peu serré, hein. Mais bon, ça va le faire. Voilà. Tu vas utiliser les pipi rooms. Géraldine, tu fais la vaisselle. C'est très bien, mais t'use pas trop, Géraldine. T'es vieille maintenant. Tu vas dormir, allez. Voilà, c'est Louise qui va. Ah ouais, c'est vrai, faut que je fasse une chambre à elle. J'avais zappé. Voilà. Robert, t'es réveillé? Ah bah c'est bien ça. Mais t'as l'air buggé. En fait, Robert. Ah non, c'est bon, il est pas buggé. Bon, ça va. Il est parti dormir dans son lit, nickel. Très très bien. Les devoirs, ils sont pas faits, c'est pas grave. On les fera plus tard. Toi, du coup, t'as pas de chambre, t'as pas de lit. Oh, la galère. Le sous-sol, ça va, ça manque pas de place. J'ai par chance, j'ai fait un grand sous-sol. Hop là, une pièce, c'est parti. Alors, on va prendre une pièce préconstruite, on va prendre une chambre. Je vais prendre. Non, peut-être pas la crypte. Non, je vais prendre cette chambre-là, elle est sympa comme tout. Elle vaut 8000 simflouz. Quelle couleur? Je vais la garder en violet. Tac. Et. Ouh, c'est juste ça. Aïe, 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 ça passe pas. D'abord. Voilà. Ça me fait de la marche dans le couloir. Hop! On va déplacer la pièce d'un cran. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait le jeu là? La porte, elle est où? Elle est là. Bon, nickel, impeccable, c'est fait. Voilà, maintenant on peut continuer le let's play tranquillou. Alors, réclamer et tu vas dormir aussi. Alors, du coup, pour la carrière, je sais pas comment ça va se passer. Je vais voir si je peux mettre les deux Géraldines ensemble dans le laboratoire scientifique parce que, bah, bien sûr, je vais pouvoir emmener que la première manuellement et la deuxième, je vais voir si je vais pouvoir l'inviter à venir sur le terrain. Mais je doute. Alors, si vraiment je ne peux pas, je ferai changer le clone de carrière. Je pense que je ferai comme ça. Donc c'est bon, t'as réclamé, tu vas dormir, impeccable. Emma, tu es déjà debout, Emma? En fait, t'es pas allé dormir. Foutage de gueule. d'accord, mais qu'est-ce qui t'a là? Mais comment t'es arrivé là, toi? Emma a réussi à se rendre sur le balcon où il est impossible d'aller. Non, mais je vous jure. Bébé, pour move object. Tac, ah là là là. Je suis censé ne pas cheater, hein, je vous jure. Non. Ah, je peux pas prendre le Sims? Ah oui, là c'est embêtant. Là c'est plutôt cocasse. Bon, bah on va mettre une porte, hein. Hop. Oui, si je mets pas la porte, ça va pas le faire. On met une porte au hasard. Voilà. Je vais la enlever après. Emma, tu vas dans ton putain de lit. Allez, hop, tu vas dormir. Voilà. Maintenant, vous aurez la gentillesse de ne plus bugger. Merci bien. Vous serez trop aimable. On remet la fenêtre. Hop. Elle est un poil au-dessus. Voilà. Ah, je vous jure. Bon, grand n'importe quoi ce let's play. Dodo, il reste plus que Robert. Robert, t'as besoin de social, mais non, là tu vas dormir. Après, faut que je pense à relooker Emma. Il faut qu'elle fasse ses devoirs aussi. Oh, ça va être dur ta première journée de lycée, toi. Ah non, t'as cours dans 2 jours. Bon, bah c'est bon.
Tu peux dormir autant que tu veux, c'est nickel. Les cours de Gabriel commencent dans 1 heure. Alerte! En plus, il a faim, il n'a pas fait ses devoirs. Fais tes devoirs. Il est en colère. Je m'en fiche, t'es en colère, mais tu me fais tes devoirs. J'espère qu'il va réussir à les faire. Gérald, ah non, c'est... Ah bah oui, c'est vrai, il y a la salle de bain du bas, elle n'est pas accessible. On est obligé de grimper, la pauvre Louise. Bon bah après, être allé aux toilettes, tu vas me jeter les pièces. Hein. Voilà. Maintenant, tu vas me jeter les pièces. Non, non, mais tu vas... Tu es parti faire le ménage à tous les coups. Voilà, débarrasser les plats. C'est bien, j'ai une femme de ménage intégrée dans la maison. Voilà. Non, mais je t'ai dit de me jeter les pièces. Gabriel, tu fais quoi, là? T'es sérieux? Allez, grouille-toi. Fonce à l'école, maintenant. T'as fini, là. Allez, hop, hop, hop. Bah, allez, mine-toi. Oh, il va se taper des heures de colle. Peut-être que tu as gagné en faisant tes devoirs, tu l'as perdu avec ton retard. Salut. Alors, Géraldine... Ah bah, faut déjà l'emmener au travail. Bon. Allez, on va bosser. Hop là. Vivement la retraite, moi, je vous le dis. On est encore les bienvenus. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'on peut inviter Louise à venir avec nous? Amenez Louise ici, vous ne pouvez pas amener d'autres Sims sur un lieu de travail. Mais c'est dégueulasse puisqu'elle travaille ici même. Alors, comment faire? Je ne sais pas, je ferais bien prendre le contrôle de Louise, mais j'ai peur que... Voilà. Du coup, bah, Louise, on lui fera changer de carrière, elle fera autre chose. Tant pis, on va la faire devenir dans... On va la mettre dans la pègre. Alors, il faut faire quoi? Un sérum dynamique? Ouais, ça peut être pas mal. Parler à un collègue de faire une expérience. Ok, alors déjà, on va parler au collègue de faire une expérience. Salut le réceptionniste. Plus de choix amical. Nous allons te demander de faire une expérience, débat des extraterrestres, discuter des machins, trucs. Féliciter, parler de bricolage, partager des photos. Se renseigner sur le salaire. Foutez de ma gueule ou quoi? Ah, c'est ordonné, d'accord. Du coup, ordonné, ça va être dans quoi? C'est dans quoi déjà ordonné? En plus, elle est malheureuse, pauvre. Elle est hyper mal à l'aise. Est-ce que je peux lui ordonner depuis le truc amical? Discuter du travail, débat de stratégie, machin, faire connaissance, partager des photos, se renseigner sur le salaire. Autre Sims, non. Faire l'éloge, bon. Et dans méchant, peut-être. Crier sur, s'en aller, féliciter, faire gâcher le nouvel épisode, non plus. Je vais voir ça après. D'abord, elle va faire pipi, Géraldine. Elle va faire pipi en urgence, pendant que je regarde pour les autres collègues si on peut leur demander d'ordonner des trucs. Demander un métal, plus de choix. Ah voilà, c'est parce que l'autre il doit être plus élevé. Bon allez Géraldine, dépêche-toi, fais pipi. Voilà, plus t'as faim. On va finir dans la salle de pause très rapidement, je le sens. Hop, ensuite, les plantes, ce serait bien de les désherber. Et on va... Il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte. Bon, on va désherber toutes les plantes. Contrôler l'esprit des collègues, les faire changer de tenue encore. Ce sera après. D'abord, elle va manger. Hein, parce que... La pauvre... Elle a rien dans son inventaire, la becquetée. Des fois que... Non, on va peut-être pas lui faire bouffer du métal. Des fraises, ça va rien lui redonner de spécial. Je vais acheter un encas, je vais acheter une pâtisserie. Allez, dépêche-toi. On se grouille. Je vous informe que mes expériences ont échoué, Nina. Bah t'es nul. Ah là, la jeunesse, c'est plus ce que c'était. Hein. On va la tuer pour la peine. Allez. Mange, dépêche-toi, vite, 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 vite. En plus, après, avoir le verre solitaire, parce que c'est un repas pré-cuisiné, elle est délicate, donc ça va pas du tout lui aller.
Voilà, après, on a deux collègues ici, donc on va en profiter, contrôler l'esprit, changer de tenue. Quotidien, tac, voilà. Contrôler l'esprit, changer de tenue, maillot de bain. On n'a pas un troisième là dans le coin pendant qu'on est là? Non. Un numéro 3, allez, number 3. Hop là, celui-là, là. Plus de choix, contrôler l'esprit, changer de tenue, sommeil. Voilà, les trois, ils sont programmés. Félicitations pour ton récent anniversaire, merci. Rien à foutre. T'es sale, mais on s'en fiche. Voilà, maintenant elle est heureuse. Allez, le suivant là. Voilà. Le numéro 3. Allez, hop, 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 on se dépêche. En plus, après, ça va être dur de faire les parfums. Sérum parfum de rose à quelqu'un, mais on l'a pas le sérum parfum de rose. Est-ce qu'on peut le synthétiser au moins? Don pour les réparations, toutes pièces d'amélioration, miracle, nourriture synthétique, parfum de rose. On l'a pas, on n'a pas de rose. Donc on va pas le chier loin. Hein. Même le sérum dynamique, je crois. Ah si, on peut peut-être le faire, lui. Synthétiser un sérum dynamique. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va faire le sérum dynamique. Maintenant, en plus, t'es concentré. Ah, oh, ça c'est super. T'es revenu dans la concentration. Hop! Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Analyser un cristal. Analyser, analyser, analyser. L'analyseur, ça doit être là. Utiliser, analyser un échantillon de fossile. Utiliser. C'est pas ça, évidemment. Il est où l'analyseur de cristal? Ça doit être en dessous. Chip là. Faire une analyse, analyser une collection, on va analyser ça. Cloner une plante, bah ça viendra juste après. S'il me demande des actions courtes, ça peut le faire. Mur de notification plein. Bon, on va le vider. Voilà. Cloner l'esprit d'un, contrôler l'esprit d'un Sims pour le faire nettoyer. On n'a personne là, hop. On remonte. tac. Plus de choix, contrôler l'esprit, nettoyer. Pendant que je mets ça ici pour cloner l'objet. En espérant que ça marche. Allez, Géraldine, allez, Géraldine, tu peux le faire. Voilà, il l'a pas visé, mais c'est pas. L'action est faite. C'est tout fait à l'arrache, terrible. Youpi, ça a marché. Ah, ça c'est bien ça. Allez, hop, la plante. Non, non, je veux pas la machine à cloner, je veux juste la plante. Merci. Cloner un sérum. Allez, on recommence. Je l'ai deux fois. Ah bah. Merci, alors franchement les doubles objectifs c'est top, merci les bugs. Du coup j'ai deux fois le sérum dynamique. Préparer un sérum Aminci. M'a pas parlé la langue. M'a pas parlé la langue sérum miracle. Non, je ne veux pas faire un sérum contaminé. Je veux synthétiser un sérum Aminci. C'était pas de que c'est. Il me faut du persil et des carottes. Je dois avoir ni l'un ni l'autre, c'est ballot. Alors, du persil, des carottes, je ne sais pas si j'en ai. Je peux toujours pas récolter mes objets. Non, par contre, je peux arroser les plantes. Donc, on va les arroser. Ce sera ça de prix pour la prochaine journée. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Et elle n'a pas fini d'arroser. Tant pis. On a gagné 2516 simflouzes. C'est déjà pas mal, ma foi. Moi, je vais vous laisser sur la fin de cet épisode. Les 30 minutes sont écoulées déjà. Ça passe vite quand on fait le con. Bon, c'était un peu à l'arrache, hein, je l'admets. Il faudra que je me contrôle un peu niveau folie. J'espère malgré tout que l'épisode vous aura plu, que vous aurez apprécié l'anniversaire un peu loufoque de Géraldine en mode senior. Emma, on va s'intéresser à elle dans le prochain épisode. Le clone de Géraldine.
bon, on y fera moins gaffe parce que bah c'est un clone, quoi, c'est une copie. On va lui trouver un métier dans la pègre et on s'acharnera dessus, mais je pense qu'on s'occupera surtout d'elle quand la vraie Géraldine sera morte. Au pire, le clone, bah soit on le garde, soit on le dégage ailleurs dans la ville. Hein. Si vous voulez que je le dégage du foyer, vous me le dites et je le fais déménager, hein. Y a pas de problème là-dessus. C'est vrai que ça peut enfin, sert un peu à rien du coup, parce que bah, elle peut même pas m'aider pour la carrière scientifique. Moi, je vous invite à commenter la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve vendredi pour un épisode des Sims 2 avec les stits. Et je vous souhaite un bon mercredi. À ciao, bisous les copinottes.